fait extraordinaire. Ah, que c'est bon. Oh, et c'est au courant, hein, ça tient au jus. Exceptionnel. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Exceptionnel. Montre-moi comment marche la machine. Ah bah voilà. Il faut qu'il y en ait un qui reste et un qui y aille. Hein. Comment ça? Bah regarde, maintenant il y a des plaques qui chauffent qui font que on peut pas aller là-bas. Ah ouais, non, j'ai rien dit. On peut de toute façon pas y aller. Wouh! Attends, des trucs. J'ai trouvé des codes de cryptage. Ouais, si, mais je sais pas à quoi ça sert. Mais une porte avant, on pouvait y rentrer qu'avec un certain truc. C'est à sous, c'est ça? Je sais pas. I don't know. C'est quoi ce truc là? De quoi? Je sais pas, tu peux le tourner avec la télékinésie, mais je sais pas ce que ça fait. Ah si, en fait, c'est. En fait, t'as ouvert la boîte hein, derrière, tu vois. Boîte derrière. Regarde derrière le panneau. Ah! C'est là que tu fais les codes en fait. C'est incroyable, je suis tellement intelligent. Ouais. Et donc c'est ça qu'on est venu chercher. Hein? Oh, fais gaffe. Oh. How dare you? Ça c'est office de Transformers ces machins. Okay. Donc c'est ce qu'on est venu chercher là, les codes tout ça, non? Ouais mais... Je crois que je me suis trompé quelque part. Les protections gravitationnelles foutent le camp. Ça bouge là-bas. C'est un avertissement à l'attention d'un certain Serrano sur la planète. Merde. Vous savez comment le décrypter? Oui, la clé de décryptage est dans le bureau de Laura Engstrom. Attendez, je vais voir si je peux la trouver. Oui, la voilà. Je vous envoie les coordonnées. Ici, je me souviens où c'est. Ok. 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 Je crois qu'on nous indique le chemin. Oui. On charge. Voilà. Bite. Si, si. On passe encore. Yo! Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il marche sur les plaques, et du coup, il meurt tout seul. Il est bête! Wouhouhouhou! Il est pas mort! Wow, 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 wow! Don't you dare touch me! Bon, c'est par où? Je crois que c'est par là. Voilà. Derrière. Merde. Votre partenaire est mort? The fuck? C'est toi ou c'est moi qui suis mort? Moi? Ah! Mais je sais pas comment.
Ah ouais, quand un de nous deux meurt... You dead. You... What the fuck? How dare you! Cut. Ça veut là. Voilà. Comme ça qu'on fait chez moi. Au Texas. Au Texas. Pretty nice. Ah, tir de derrière, chirurgical. Ok, done. Censé aller par l'ascenseur. Oh fuck. Tu te souviens où est-ce que c'était la porte? Non. Si, c'est là. Yes. Ah oh, bah, c'est bien ça. Ok. C'est bon. Hey Santos, je vous envoie la clé de décryptage. Bien reçu. Allez Santos. Attendez, je l'applique au message. Il fait tellement peur mon perso dans son armure. Ils ont dû vouloir la cacher pour qu'elle échappe à l'exécution. Ses recherches pourraient tout en régler. Pourquoi ordonner une exécution qui détruirait un secret si important? Ils ont paniqué. Ou ils en savaient plus que nous. Merci d'avoir trouvé ça, Isaac. Ça pourrait être très utile. Tant mieux. Bon, j'y retourne. Il nous reste encore beaucoup à faire. C'est pas ce que tu crois. Soit on peut dégager. Ok, let's go. Bâtiment de mes deux là. J'ai jamais aimé ce vaisseau. Oh, tu penses pas. Je vais voir après. Quoi? Quand t'auras fini Portal 2. J'ai fini les Portal 2. Ah, t'as fini? Merde. I'm in space. Et tu me vois toi de l'OT? Oui, c'est devant moi, bien installé. C'est cool. Magnifiquement professionnel, on dirait un pilote. Alors, je sais plus où on venait. Là, je pense qu'il faut aller là où il y a la flèche avec un objectif. Ouais, ok, on y va. En fait, je pensais, non mais je pensais me balader dans l'autre vaisseau, celui qu'on a pas visité encore. Bah les autres vaisseaux, je pense que c'est, on les a déjà vus, s'il y a pas de mission dedans. Mais y a pas de mission dedans celle-là non plus, c'était une mission. Si, il y avait une mission facultative. Ouais, mais elle était pas indiquée. Si, elle était marquée dessus. Ah bon? Ok, merde. Il y avait marqué explorer le truc gravy machin là. J'ai pas vu. Je pense que les deux autres, ça doit être le vaisseau où on était au début et le vaisseau qu'on a rejoint ensuite avec Ali. Peut-être. Ah bah ouais. J'ai l'impression d'être dans Ratchet et Clank, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est un peu ça. Allez, Clank. Oui, mais c'est Ratchet. C'est moi, Clank. Par où est la navette? Santos, vous avez les registres, que disent-ils? Que la navette a été suspendue. Ils allaient la démonter. Suspendue à quoi? Ouais. C'est ce qu'elles disent toutes. En plus, ce petit vaisseau là pour se balader est trop cool. Je vais regarder dans le vaisseau. C'est le nôtre. Ouais. Il s'appellera le couscous de l'espace. Le couscous de l'espace. Space le bro-ship. Le bro-ship, voilà, c'est génial. Une armature lourde standard. Cool.
Broship. Truc d'essayage. Eh, t'as une nouvelle liaison. Épisode voilà. 5. Retard prévu. Il y a peut-être une nouvelle combinaison. Le mec qui espère à chaque fois, tu sais. Non. Mais dans Dead Space 2, c'était ça. Enfin, même le peut-être premier. Peut-être que je serais fabuleux. Nouvelle zone, nouvelle combinaison. Genre là, on a trouvé une cabine d'essayage pour aucune nouvelle tenue. Il faut manquer maintenant, tu peux. Oh. Étage 2 ou étage 1? On est à l'étage déjà. Non, on est à l'étage 3. Où est-ce qu'on est? À l'étage 3, on va à l'étage 2. Ok, ça marche, ça me semble logique. Très bien joué, monsieur Isaac. Très bien joué. T'appelles comment toi déjà? Carver, je crois. C'est pas Korsakov? Non, c'est Carver, c'est même marqué sur mon armure. Ah ouais? Ouais, il y a marqué Carver dessus. Je sais pas sur toi, il y a marqué. Non, surtout il y aurait marqué, c'est une espèce de combinaison standard. Moi, elle a été dédicacée par moi-même. Ouais, toi, t'es l'organisation. Je suis auto-dédicacé mon armure, ok. T'es l'organisation. Ouais, on sait déjà comment ça fait des trucs. Alerte. Réserve d'énergie en veille. Chargement inopérant. Ah bah, qu'ils sont éclatés à mettre de la musique partout, tu sais. En attente de décélération. Ok, Edward, tiens-toi prêt. Bien reçu, Val. Une fois sur la passerelle, appelle-moi commandant. Comme tu veux, chérie. Sortie des propulseurs. T'as un truc là? Ah, je l'ai eu. Ok. Ça donne automatiquement, je crois, quand c'est des trucs comme ça. Merci d'avoir voyagé sur le terrain. Ah, tiens. Mmh. Un vieux retour. Ah! Je te laisse faire ça, c'est ton boulot, t'es ingénieur, hein. Ouais, voilà. Waouh. Notre navette se trouve à l'arrière du vaisseau. Je vais mettre nos traceurs à jour. Dites-moi seulement si elle pourra nous emmener. Si on arrive à la remettre en état. D'après les analyses, c'est un vrai tas de ferraille. Mm-hmm. On peut la faire voler, pas vrai? C'est la plus grande case de l'espace ici. Je vais la réparer. Wow. Ça c'est le garagiste, il est dans le caisson de ça. Ça va, c'est cool. Je vais la réparer, j'adore moi. J'adore ce genre d'ambiance, hein. Genre, ouais, t'inquiète, on a un garagiste, on a tout, on va tuner ton vaisseau. Je vais la réparer, j'ai trois vis. Vraiment, elle arrête à déclencher, quoi. J'ai à trois vis un néon. Ouais. Je vais te mettre des boulons platine. C'est compliqué pour C'est moi. C'est compliqué. Voilà. Wow, 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 wow. C'est quoi ce truc? C'est le flipper qui s'est allumé. Vous êtes sérieux? C'est un flipper? Je joue un flipper! Je joue un flipper! Oh? Ça marche? Un flipper venu d'ailleurs. Connard! Je crois que je vais vous laisser avec votre flipper, monsieur Isaac. Ah non, j'ai tiré une balle, ça m'a pris une balle de chargeur, c'est bizarre. Je comprends pas. La soute. Waouh. T'attends pas les copains? Si, c'est à côté. T'es prêt? Je check à gauche, je check à droite. Go. Ok. Merde là. Pousse-toi! Trop tard. Je vais balancer le bout de membre là qui squattait. Oh, un bloc moteur hydraulique. Mais c'est génial! Que c'est bien fait! Ah, tu vois le mec il s'extasie devant, il y en a un autre, il passe, il le prend, il se casse. Ah, t'as encore essayé de me donner des trucs, hein? Ouais. Ça ne marche plus. Mais t'es plein maintenant. Voilà. Oh, toi. Oh, toi. Oh, toi. Oh, toi. Allez, va-t'en.
Oh putain, fils de pute. Putain, le mec était en bas chez toi. Le mec était en bas chez toi. Mmh. Il est passé dans un conduit d'aération pour venir chez moi. Et tu te plains d'avoir de la compagnie. Laisse-toi, toi. Wow. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est chaud, j'ai l'impression de te tirer dessus et tout, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Par contre, faut qu'on trouve un atelier là pour que je puisse me débarrasser de tous mes kits de soins et tout. To cook some meth. You bitch. Oh, c'est quoi un truc? C'est Clank. Ouais. On l'a retrouvé. Un méca charognard. Ça pourrait être utile. Génial! C'est quoi ça? Je sais pas, mais j'en veux un! Appuyez sur pour charger le méca charognard. Hein. Alors, pour utiliser le radar. C'est un radar. Et c'est pour trouver des items super rares. Pour déployer. Ah, et ça le repose. D'accord. Ah non, on peut le déployer comme ça. On peut, il trouve des ressources. Trop cool. Il va les rapporter. C'est mon meilleur ami. Ce sera notre Bob de Dead Space 3. Oh, mais c'est trop bien. Brave bête. Mais cet animal est le plus beau du monde. Mais j'en veux un. Mais comment est-ce qu'on le récupère, ouais? Une fois qu'il est par terre. Il s'amènera toute seule, je crois. Oh, il est trop mignon. Là, il a trouvé. Regarde, mignon. Regarde le filet. Oh, regarde-le. Oh, il est trop mignon. Ah, toi aussi, t'en as. T'as posé le tien? Oui, le mien, lui aussi, il est posé autre part. En fait, le mien... Il cherche la balle. En fait, quand tu vises avec le machin, t'as un radar. Et je l'ai amené là où ça brillait, en fait. Maintenant, je le suis. C'est trop cool. Ouais, mais ça me dit pas comment je peux récupérer le mien, moi, de nouveau. Je crois que tu peux pas le récupérer. Ok. Je sais pas. Il est trop mignon. Oh, regarde-le. Il refouille. Ah, tu veux pas lui tirer dessus. Tu voulais lui tirer dessus? Espèce de monstre, mais dégage. Ah, regarde, tu vois, il se balade. Hey. En fait, ils sont amis. Oui. Poup, poup. Voilà. Attends, j'ai un truc explosif. Hein. Eh bah, évite de me l'envoyer dessus. Ah putain! Ça a été derrière moi. Espèce de brute. Mmh. Une brute. Qui donc? Vas-y, passe devant. Échelle bloquée par le partenaire, sérieusement? C'est trop près. Trop près. Oh là. Des gens qui ont une crise, hein. Allez, je ne voyais pas bien, Nico. Allez. J'aime pas ce bruit, c'est le bruit des kamikazes. Je crois que les machines, les charognards qu'on a trouvé, elles rapportent tout seul leur machin à l'établi. Oui, c'est ça. Oh non. Ok, eux aussi dans leur charognard. Je pense que droite. Ok. J'ai mis un machin qui a des petits coups de jus sur mon mitrailleur, c'est cool. T'as un établi pour vendre tes trucs. Ouais. Oula, 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 bonjour. Ah, fais gaffe, celui-là il a des bestioles.
no problema. D'accord. Où ça? Où est-il? Ah merde. Seems good for me. Tu fais des amis? Ça prend à essayer de sauter sur les jambes. Oh bah oh. Ça fait quoi là? Ouais, j'appuie sur le bouton. Détecté. Veuillez vous adresser au berceau pour éliminer cette obstruction. Berceau. Truc, ça. C'est ça la berceau. Il y a quelque chose qui bloque le tram. Ouais, ouais. Le berceau n'est plus très loin. Les voies sont visibles d'ici. Merci, Buckle. J'irai voir ça. Les mecs, depuis qu'ils ont fait en sorte qu'on puisse monter aux échelles, ils en ont foutu partout. C'est ça. On va voir, ça marche bien avec l'architecture d'un vaisseau, tu sais. Ouais, c'est vrai. Allez sur lui. Allez sur lui. C'est bien, brave bête. Oh non, pas ces trucs là. C'est trop creepy pour moi ces machins. Faut lui couper ses tentacules. Il est laid. Ah. Tous les goulis. Il aimait tellement son vaisseau qu'il a fait corps avec lui. Ouais.